إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc comme j'avais expliqué vendredi mercredi passé qu'on allait commencer un nouveau sujet aujourd'hui un nouveau livre parce qu'on a terminé An-Naqd Manhaj Shar'i de Cheikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah. Donc aujourd'hui on va commencer un autre livre qui s'appelle Ta'kid Al-Musallamat Al-Salafiyya, et le titre au complet, ça c'est juste le début, c'est-à-dire confirmer les choses qui ont été acceptées et établies du Manhaj des Salaf, de la voie des Salaf. Mais le titre au complet c'est تأكيد المسلمات السلفية في نقد الفتوى الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية. Okay. C'est pour confirmer les choses qui ont été établies et acceptées par les salafs par les ulama et par les principes de la da'wa salafia pour opposer ou contredire ou critiquer ou opposer la fatwa qui a été faite par un groupe de personnes qui prétend que les Asha'ira, la secte des Asha'ira, fait partie du groupe sauvé ou du groupe agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui on va lire ce livre-là. Et le cheikh qui a écrit ce livre, il s'appelle Cheikh Abdul Aziz ibn Raïs al-Raïs. C'est un cheikh, mashallah, je pense qu'il vient des Émirats ou du Koweït, en tout cas un des pays du Golfe, mashallah. Et il a plusieurs rasaïls qui sont très bénéfiques dans la aqida et dans le manhaj, et aussi des cassettes audio qu'il a fait qui sont vraiment bénéfiques. Il clarifie beaucoup de shubuhat des jeunes bid'ah de notre époque sur les questions de aqida et de manhaj. Donc, alhamdulillah, le livre il a été préfacé par deux parmi les grands ulama, c'est-à-dire le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi et le Cheikh Ubayd ibn Abdullah ibn Sulayman al-Jabiri, Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui a lui aussi écrit une préface pour le livre. Et il a été revisé ce livre par deux parmi les grands ulama également, le Cheikh Saleh al-Fawzan qu'on connaît et le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Donc c'est deux parmi les ulama qui ont revisé le livre, d'accord. Donc, alhamdulillah, on va commencer la lecture de l'introduction qui a été écrite par le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il y a un petit commentaire qui a été fait. Puis après, on va lire la parole du Cheikh Ahmed al-Najmi dans l'introduction et les paroles du Cheikh Ubaydullah al-Jabri. Puis on va commencer avec l'introduction du livre. Et puis, expliquer aussi les points dont le livre parle, puis je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Donc avant de commencer, je voulais juste expliquer qu'est-ce qui m'a motivé à choisir ce livre-là comme livre ou sujet. C'est qu'on est en train de faire Kitab al-Tawhid dans le samedi et dimanche pour Tawhid al-Uluhiyya, et dans ce livre-là on traite d'autres aspects qui ont rapport avec la Aqidah
qui sont reliées à l'asma ou sifat et d'autres questions différentes. Donc ça va nous aider à avoir peut-être une compréhension plus grande. Puis aussi c'est qu'il y a beaucoup de choubouhats qui sont reliés à cette secte des Asha'ira, parce qu'il y a beaucoup de personnalités ou des personnages qui sont connus soi-disant dans ce siècle, qui sont pris comme étant des modèles ou des exemples à suivre dans la da'wa, hein, et qui ont établi ou qui étaient sur cette croyance-là, la croyance de cette secte, et il y en a certains qui essaient de les défendre. Il y en a certains qui essaient de les défendre, et donc ils essaient en même temps, maintenant on voit cette tentative-là, d'essayer de dire que non, il ne faut pas dire qu'ils sont des gens de bid'a, ils font partie de Ahl-Sunna, etc., etc. Puis ils mélangent les gens avec ces genres de positions-là. Et la raison pourquoi le cheikh il a écrit ce livre, c'est parce qu'il y a un groupe de personnes en Arabie Saoudite qui ont fait cette fatwa, qui ont écrit cette fatwa. Okay, c'est un groupe, c'est trois personnes en fait, qui ont écrit cette fatwa, puis le cheikh il a fait la critique de cette fatwa justement pour montrer que la fatwa est basée sur des principes qui sont incorrects et faux. Parmi ces personnes-là qui ont fait cette fatwa, il y avait le cheikh Abdullah Al-Ghunayman, cheikh Mohamed Al-Suhaibani et cheikh Abdul Aziz Al-Qari. Et il y en a d'autres aussi. Donc on va lire par la suite plus tard c'était quoi cette fatwa. Bon, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam wa barak ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa'ijabatan ala su'al an al-Asha'ira, hal hum min ahli al-Sunnah wal-Jama'a aw la? أقول أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي ومعتقدهم في أسماء الله عز وجل وصفاته أنهم يثبتون لله عز وجل ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف أو تأويل أو تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي هذه الآية إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى في قوله وهو السميع البصير وتنزيهه عن مشابهة غيره له في قوله ليس كمثله شيء. Donc le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad il commence en disant بسم الله الرحمن الرحيم louange à Allah سبحانه وتعالى et paix et salut sur son messager, et que la bénédiction également soit sur ses compagnons et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les compagnons et sur sa famille, etc. Donc il dit ensuite, pour répondre à la question au sujet des Asha'ira, est-ce qu'ils sont parmi les gens de Ahl-Sunnati wal-Jama'a ou non? Est-ce qu'ils font partie de Ahl-Sunnati wal-Jama'a ou non? Le cheikh, il commence donc à répondre. Et donc on va voir en même temps, en étudiant ce livre-là, on va avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça signifie de faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être salafi, hein, et quand on dit Al-Firqatul Najiya et Al-Ta'ifatul Mansura, la secte sauvée, ou le groupe victorieux, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on fait partie de ces gens-là? Et ça va nous donner une meilleure compréhension. Donc le cheikh il dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad il dit, Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont les Sahaba. Donc, avant toute chose, quand on dit Ahl Sunnah wal Jama'a, on parle des Sahaba. Et ceux qui ont suivi leur voie. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens de la Sunnah et qui étaient sur la Jama'a, sur le groupe, hein, sur lequel le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés sur la vérité. Hein. Et donc, ceux qui ont, c'est-à-dire les Sahaba, ce sont eux Ahl Sunnah wal Jama'a. Puis par la suite, tous ceux qui les ont suivis sur leur voie. Tous ceux qui les ont suivis sur leur voie font partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a.
Donc, de faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça veut dire de suivre la voie des Sahaba. C'est ce que ça veut dire. D'être un salafi, ça veut dire ça. Suivre la voie des Sahaba. Ou bien si tu dis par exemple Ahl Sunnah wal Jama'a, quand tu dis par exemple je suis un sunni, ça veut dire je suis la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, ça veut dire je suis la voie des Sahaba. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la secte qui est sauvée en disant ce sont ceux qui sont sur ce que je suis moi-même ainsi que mes sahaba. Donc c'est ça d'être sur le droit chemin, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des sahaba. Et ça c'est l'explication du groupe sauvé. Qu'est-ce que c'est al-firqa al-najiya? C'est hum man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Leur croyance, c'est quoi? Au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que les ulama de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils ont mis une grande importance et une priorité sur les questions qui ont rapport avec la foi en Dieu. Parce que la première obligation du musulman, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont donné une importance prioritaire et primordiale. Et ils ont réfuté tous les gens qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement parce que c'est de la plus grande importance, et c'est sur ce point-là que la plupart du temps les sectes et les gens d'égarement ont dévié. Donc le cheikh il dit que leurs croyances, c'est-à-dire les croyances des sahaba et des gens qui les ont suivis au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils affirment ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran et dans la Sunna comme nom et comme attribut, de la façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de taqif, c'est-à-dire sans essayer de comprendre ou d'imaginer ou de chercher le kif, le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tashbih, sans faire de tashbih, c'est-à-dire d'essayer de faire une ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature. Au tamthil, hein, tamthil c'est un peu semblable à tashbih, mais c'est un petit peu différent. C'est comme si tu dis par exemple, si je dis par exemple, tamthil c'est, bon, comment je pourrais dire, c'est comme si tu dis hada, hada yushbihu hada. Et si je te dis hada mithl hada, donc il y a des ressemblances, c'est comme si tu dis hein, celui-là il est pareil à celui-là, et l'autre lui il ressemble à celui-là. Donc si tu dis lui il est pareil, ça implique qu'il y a une ressemblance dans presque toutes les choses, tandis que si je dis il ressemble, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses qui ressemblent mais elles sont différentes, Donc c'est ça la différence entre At-Tashbih ou At-Tamthil. Si je dis ta voiture est la voiture de Muhammad est comme la voiture de Yassine, et bien là, ça veut dire qu'il y a des ressemblances. Mais si je dis la voiture de Muhammad est pareille à celle de Yassine, et bien là, ça veut dire qu'elle est identique. C'est ça la différence entre At-Tamthil et At-Tashbih. Mais c'est-à-dire comme ou pareil. Tandis que si tu dis yushbih, c'est shabah, il y a une ressemblance, c'est-à-dire il y a des choses qui ressemblent mais ce n'est pas exactement pareil. Et le terme qui est utilisé dans Al-Ayah c'est laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui est pareil à Allah subhanahu wa ta'ala ou qui est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple. Puis aussi min ghayri tahrifin. C'est-à-dire, on ne doit pas faire non plus de tahrif. Tahrif ou de ta'wil. Le cheikh il dit de tahrif ou de ta'wil. Tahrif, c'est de déformer. De déformer la réalité d'un mot. Il y a la déformation ou le tahrif textuel, où tu changes des lettres dans les mots, dans le Coran ou dans les hadiths. Ça, c'est un tahrif. Une falsification des textes. Et il y a un tahrif dans la signification des textes. C'est-à-dire que tu fais une déformation, tu déformes la réalité du sens des mots dans la langue arabe pour leur donner une autre définition qui est contraire à la langue. Donc ça c'est deux exemples de tahrif.
Et les deux exemples se sont produits chez les gens de Bid'ah. Ok. Et at-ta'wil, ben at-ta'wil dans la langue arabe, ça veut dire at-tafsir. At-ta'wil dans la langue arabe, ça veut dire, ou une des significations du mot ta'wil, c'est at-tafsir. Mais les gens de Bid'ah, ils utilisent le mot ta'wil dans un autre sens, dans un autre sens que le sens du tafsir. Eux, ils l'utilisent pour essayer de faire croire que qu'est-ce qu'ils font, c'est le tafsir, alors qu'en réalité, ils font le tahrif, ils déforment le sens des mots. Hein? C'est pour ça que les ulama, ils ont expliqué qu'il y a un ta'wil qui est acceptable dans l'islam, c'est quand c'est le tafsir, et il y en a un ta'wil qui est rejeté, c'est quand c'est le tahrif, quand tu déformes le sens des mots et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi at-ta'til. At-ta'til, c'est d'enlever complètement le sens à un attribut, de la vider de son sens ou bien de nier l'attribut elle-même, directement ou indirectement. Puis il y a beaucoup d'exemples de ça. On en a parlé quand on a fait l'explication de al-aqida al-wasitiya et aussi quand on a fait al-irshad. Et d'autres livres aussi, on a parlé des détails de ça, aussi dans Sharh Usul al-Intiqad, Sharh Aqidat Ashab al-Hadith, Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith. En tout cas, dans la plupart des livres des livres des Salaf, ils parlent de cette question. Ils parlent de ces questions-là et de ces points-là. Et ça, c'est le fondement de la croyance d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et ils se battent pour prouver ces règles-là qu'ils ont établies, les Salaf. Se base sur le verset de Surat Shura qui dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le voyant. Ça veut dire, donc le Cheikh il dit, donc on voit que dans ce verset-là, il y a l'affirmation de deux des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont la vue, lui et la vue. As-sam'u wal basar. Ok, et donc on doit affirmer ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il se les a attribués pour lui-même. Et toutefois, il s'est purifié de toute ressemblance, c'est-à-dire il a nié qu'il pourrait y avoir toute ressemblance entre lui et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui et la vue des créatures. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Donc ce verset-là est entre al-nafi wa al-isbat. Entre la négation et l'affirmation. L'affirmation des attributs et la négation du tashbih. Et ça, c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. On ne fait pas juste nier d'une façon absolue, ou on ne fait pas juste affirmer d'une façon absolue. Parce que de nier d'une façon absolue, ça amène à rejeter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'affirmer absolue, d'une façon absolue, eh ben, ça implique qu'on fait une ressemblance entre Allah et sa création, et ça aussi c'est incorrect. Donc il faut être sur la voie de la justice, c'est-à-dire al-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation ensemble. Après le chef il dit, en continuant son explication, wal-ash'a'ira hum al-muntasibuna ila madhhab abi al-hasan al-ash'ari rahimahullah al-mawlud sanat 270 هجري والمتوفى سنة 330 الذي كان عليه قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهو تأويل أكثر الصفات وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. Donc le chef il dit que c'est quoi l'Ash'ari, qui sont l'Ash'ari? Ce sont des gens qui s'apparentent ou qui disent appartenir à la position ou à la croyance d'un savant qui s'appelle Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah. Okay? Et Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est de ce titre-là, al-Ash'ari, qu'on a pris Ash'a'ira, hein, pour dire le pluriel, de ceux qui appartiennent ou qui prétendent appartenir à sa croyance ou à sa voix. D'accord? Et lui, cet homme, Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est né en 270 Hijri et il est mort en 330 Hijri. Donc, il est né 270 ans après le Hijra al-Nabawiyyah,
et il est mort 330 ans après Al-Hijra al-Nabawiyya. Donc, cet homme-là, comme on en a déjà parlé dans plusieurs explications quand on a fait dans le passé, on va le faire encore une fois parce que c'est nécessaire, puisque là on rentre dans un sujet et un livre qui est, disons, concentré sur le thème de cette secte-là. Donc il faut absolument, Inch'Allah, expliquer un petit peu le contexte historique de cette secte, comment elle s'est développée, puis comment elle est apparue. Donc, il est né, comme on dit, en 270 et il est mort en 330, mais il a passé à travers plusieurs périodes durant sa vie. Et les ulama, quand ils parlent de lui, en principe, ils mentionnent qu'il a passé par trois étapes. Peut-être qu'il a passé par plus que trois étapes dans la réalité, hein, parce que bien entendu, le cheminement qu'il a suivi, on voit à travers ce cheminement-là qu'il a eu beaucoup de remise en question de plusieurs de ses principes. Mais en gros, on voit qu'il y a trois grandes périodes plus déterminantes, plus claires. La première période, c'est les 40 premières années de sa vie. Durant les 40 premières années de sa vie, il était un Mu'tazili. Il était dans la secte des Mu'tazila. Non seulement il était dans cette secte, mais il avait quelqu'un qui vivait chez lui, hein, avec qui, disons plutôt, il vivait avec quelqu'un qui était mari de sa femme, le mari de sa mère, qui était une des têtes des savants Mu'tazila de l'époque, qui s'appelait Al-Jaba'i, et il vivait donc avec lui. Donc celui-là, Al-Jaba'i, c'était son cheikh pendant 40 ans, donc il a étudié avec lui, et il est arrivé à un niveau très approfondi dans la secte des Mu'tazila. Il était quelqu'un de reconnu dans cette secte et qui faisait la promotion et la propagande de cette secte. Puis, arrivé à l'âge de 40 ans, il a étudié des écrits de d'autres savants qui critiquaient les Mu'tazila, ok, qui faisaient partie des Mutakallimin, des savants de Ilmi Kalam. Et parmi les livres de ceux qu'il a étudiés, il y avait les livres de celui qu'on appelle Ibn Kullab, Muhammad Ibn Kullab, on va y revenir. Et celui-là, lui, il attaquait, ou disons, il réfutait les Mu'tazila sur plusieurs points, d'accord, et il prétendait essayer de mettre ensemble la position des salafs et la position des Mu'tazila. C'est-à-dire, il essayait de, relier les deux méthodes et de faire une voie intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire de ne pas rejeter la raison complètement, mais en même temps, d'accepter les textes et les références par rapport à la révélation et à l'affirmation des attributs. Et donc, à cause de cette voie-là, qui est intermédiaire, il est tombé dans plusieurs erreurs sur la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a plusieurs fois expliqué dans d'autres contextes, dans d'autres cours, par exemple, on voit que il y a eu différentes sectes qui sont tombées dans des erreurs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces sectes, la plus déviée et la plus égarée, c'est la secte des Jahmiyyah, qui a été établie par Ja'd ibn Dirham, hein, et qui a été propagé par la suite par Jahm ibn Safwan. Et aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Al-Jahmiyyah. Hein. On n'appelle pas Al-Ja'diyyah parce que Ja'd ibn Dirham n'a pas vraiment été celui qui l'a propagé le plus. Celui qui l'a vraiment propagé le plus, c'était Jahm ibn Safwan. Et c'est pour ça qu'on attribue cette secte à Jahm ibn Safwan. Et la croyance de Jahm ibn Safwan, c'était dans Al-Asma wa Sifat, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la négation totale, de rejeter et nier tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Al-Qadar, c'était la position des Jabriya, c'est-à-dire de dire qu'on n'a aucune liberté ou volonté,
qu'on est forcé de faire ce qu'on fait. Et dans plusieurs autres questions comme ça, dans les questions d'Aqida, il avait des choses qui s'opposaient totalement à la religion. Hein. Et il y a d'autres groupes qui ont dévié par la suite, qui sont tombés dans les mêmes erreurs que les erreurs fondamentales de celles des Jahmiyyah. Et parfois, certains de ces groupes-là, ou de ces sectes-là qui sont apparus par la suite, sont apparus en essayant d'amener des arguments pour réfuter les Jahmiyyah. Hein, comme par exemple les Mu'tazila. Les Mu'tazila sont arrivés par la suite, et le fondateur des Mu'tazila, c'est Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Et Wasil ibn Atta, c'était un des élèves de l'imam al-Hassan al-Basri, qui était un des plus grands parmi les élèves des tabi'in. Un des plus grands parmi les tabi'in, pardon, parmi les élèves des sahaba. Et il avait un dars dans la mosquée, et Wasil ibn Atta faisait partie de ceux qui assistaient au durus de al-Hassan al-Basri. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un certain moment donné, il a divergé avec son cheikh, al-Hassan al-Basri, sur une question qui avait rapport avec la foi. D'accord? Donc lui, al-Hassan al-Basri, il était sur la voie des salafs et des sahaba, et il disait que il y a les musulmans qui, il y a des mu'minines qui, quand ils font des péchés, on ne dit pas qu'ils sont des koufars, hein, mais on ne dit pas non plus qu'ils sont d'une foi complète. Hein, on dit qu'ils sont des croyants, mais que leur foi est faible, qu'ils ont une foi moins grande à cause de leurs péchés, et que la foi elle augmente et elle diminue. Lui, Wasil ibn Atta, il n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté ça. Wasil ibn Atta, c'était un des élèves de al-Hassan al-Basri, il a dit, moi je suis pas d'accord avec ça. Selon moi, ceux qui font des péchés, des kaba'ir, sont pas des koufars, ils sont pas des mu'minines non plus. Ils sont entre les deux. On dit pas koufars, on dit pas mu'min. Ils sont pas ni mu'min ni koufars. Et ça c'est dans le dunya. Mais dans l'akhirah, ils sont dans l'enfer pour l'éternité. Ils vont jamais sortir. Ça c'est la voie des Mu'tazila sur la question de l'Iman. Et bien entendu, c'est une position qui est contraire à la voie des salaf, contraire aux preuves des textes du Coran et de la Sunna. Donc, il s'est éloigné par la suite de al-Hassan al-Basri dans la mosquée, et il s'est écarté de al-Hassan al-Basri. À cause de ça, on les a appelés Mu'tazila, parce que Mu'tazila, quand al-Hassan al-Basri disait Wasil i'tazalana, c'est-à-dire il s'est écarté de nous. À cause de ça, on les a appelés Mu'tazila. Okay, ceux qui se sont écartés. Ok, non, ne sont pas koufars. Les ulama ne disent pas qu'ils sont koufars, toutefois ils sont parmi les jeunes bid'a. Et ils ont rajouté à cette bid'a initiale plusieurs autres bid'a dans d'autres sujets. Hein. Et parmi ceux qui se sont ralliés au Mu'tazila, par la suite, il y a Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid. Et lui aussi, il a rajouté d'autres principes et d'autres bid'ahs à la bid'ah de Wasil ibn Atta. Puis avec le temps, leur voie et leur madhab s'est élaboré d'une façon plus structurée, et ils ont établi leur madhab sur, ou leur aqidah sur cinq principes fondamentaux, dont le premier d'entre eux, c'est de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, il faut nier tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui affirme pour eux les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le tashbih. Hein? Il a fait le tashbih, c'est-à-dire il a fait ressembler Allah à sa création. Donc eux, ils affirment des noms, mais ils nient les attributs. Et les noms qu'ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala, comme As-Sami' al-Basir, ils disent oui, on dit As-Sami' al-Basir, sauf qu'ils ne croient pas en la signification de ces noms-là. Ils nient les significations. Ils disent que ce sont juste des noms comme ça, qui sont des noms à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont aucune signification et qui n'indiquent pas une attribut. Donc, ça c'est à ce sujet-là. Puis, ils essaient de réfuter les Jahmiyyah. Les Mu'tazila essaient de réfuter les Jahmiyyah, et ils disent aux Jahmiyyah, vous les Jahmiyyah, vous niez les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas les nier.
parce que pour eux, il faut nier, il faut pas nier les noms. Hein, il faut affirmer les noms parce qu'ils sont dans le Coran, d'accord. Et il n'y a pas de tashbih pour eux du fait de les affirmer. Mais ils nient les attributs, d'accord. Donc ils essaient de réfuter les Jahmiyyah en disant ça. Mais les Jahmiyyah, ils répondent encore et ils disent au Mu'tazila, mais si vous dites que Allah est Samir et Basir, hein, Al-Samir, Al-Basir et tous ces noms-là, ça implique que vous affirmez des attributs, hein, parce que ces noms-là impliquent des attributs. Et en fait, c'est pour ça que les ulama d'Ahl-Sunnah, ils n'ont pas déclaré kuffar. Parce qu'ils ont dit, si ils affirment les noms, ça implique qu'ils affirment les attributs. Même s'ils les nient, les attributs, mais indirectement, ça implique qu'ils les affirment. Et donc, alaykoum salam wa rahmatullah, et donc ils ne les ont pas déclaré kuffar du premier coup. D'accord. Attends juste un instant. Et par la suite, donc, il y a des groupes comme on a vu pour Abu al-Hassan al-Ash'ari et Ibn Kullab et d'autres comme al-Maturidi ont essayé de réfuter les Mu'tazila en leur disant, écoutez, vous essayez de réfuter les Jahmiyyah en affirmant les noms et vous devriez également donc affirmer les attributs, puisqu'il y a des attributs aussi, quand on les affirme, on nie la ressemblance. Comme par exemple les Asha'ira, eux ils ont affirmé, donc les Asha'ira, ils ont essayé d'utiliser une voie intermédiaire comme on a dit. Ils ont dit on va affirmer les noms comme les Mu'tazila, toutefois quand on va arriver aux attributs, on ne va pas les nier tout en entier comme les Mu'tazila, on va en accepter 7, puis les autres on va les nier. Ou bien on va les déformer, on va faire le ta'wil. Et c'est ça la voie des Asha'ira sur la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essaient de réfuter les Mu'tazila, mais ils tombent dans la même erreur que les Mu'tazila et les Jahmiyyah. Parce que ils affirment certaines et ils nient les autres. Donc ils sont inconsistants. Hein, ils sont pas intègres dans leur méthode. Ils se contredisent eux-mêmes. Parce que quand on leur dit, mais pourquoi vous dites que Allah est Samir et Basir? Hein, parce que Allah, il est Samir et Basir. Il a As-Sam' ou Al-Basar, et vous aussi, les Asha'ira, vous dites qu'il a As-Sam' et Al-Basar. D'accord? Alors pourquoi vous ne dites pas aussi que vous affirmez les autres attributs d'Allah? Parce que vous dites que Sam' Allah, il n'est pas la même l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à celle des créateurs. Donc pourquoi vous ne dites pas la même chose pour les autres attributs? Et donc, on voit qu'ils se contredisent. Parce que leur argument, c'est de dire quoi? C'est de dire, non, on ne peut pas affirmer ça parce que ce n'est pas logique. C'est pas logique. Donc, pour eux, ils se sont établis des principes logiques, et puis ils ont mis par-dessus la révélation, et tout ce qu'ils trouvent dans la révélation qui est contraire à ces principes qu'ils ont établis, ils les rejettent. Et on va voir au fur et à mesure qu'on va étudier le livre, Inch'Allah, on va voir des exemples de ça plus en détail. Donc, là, ça vous met un petit peu en situation par rapport à Abu al-Hassan al-Ash'ari et à sa période intermédiaire. Ça, c'est à sa période intermédiaire où il affirmait 7 attributs puis il niait les autres. Mais à la fin de sa vie, il est revenu à la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Il a rejeté cette position intermédiaire qui était la position de Ibn Kullab et il a adopté la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal et il est revenu donc à la voie des salaf salih. Et parmi les preuves de ça, il y a le livre qu'on appelle Al-Ibana, Al-Ibana fi usul al-Diyana, qui montre qu'il est revenu. Et il y a aussi le livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin, où il y a des preuves de ça également, où il affirme plusieurs des attributs. Donc ça c'est à ce sujet-là. نعم لا ما غير اسمه نعم لكن ceux aujourd'hui le cheikh ceux qui on va juste un point avant de continuer ceux qui prétendent aujourd'hui appartenir à la secte des Asha'ira ils ne suivent pas la dernière position de Abu al-Hassan al-Ash'ari mais ils suivent sa position intermédiaire qu'il a suivie après avoir quitté les Mu'tazila et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'ils font partie des gens qui sont sur Ahl-Sunnah, les gens d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah.
نعم يعني يعني كي يعني 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 أبو موسى الأشعري يعني 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 أبو موسى الأشعري يعني يعني صحابي رضي الله عنه يعني 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 أبو موسى يعني أبو الحسن يعني 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 Il y en a des gens même qui m'ont posé la question une fois. Ils m'ont dit, oui, mais Abu al-Hassan, ils m'ont dit, Al-Ash'ari, il était un sahabi. J'ai dit, ça c'est Abu Moussa al-Ash'ari. Mais il faut distinguer entre Abu Moussa et Abu al-Hassan. Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est né en 270, il est mort en 330. Et donc, il n'était pas un sahabi. Il est né bien longtemps après. D'accord? Donc ça c'est un petit détail des fois qui peut être important de mentionner pour certaines personnes. D'accord. Et donc c'est ça. Kullabi, Ina. Donc si on résume, il y a trois étapes. Première étape, Mu'tazili. Deuxième étape, Kullabi. Troisième étape, Salafi, Sunni. Pardon? الكلابي؟ نعم c'est العقيدة الأشعرية الكلابية الأشعرية en fait الكلابية c'est la position intermédiaire avant qu'il accepte la position d'أهل السنة محمد بن كلاب on va revenir à lui plus tard c'était un des متكلمين ok il y avait plusieurs déjà d'أهل الكلام à l'époque en dehors de Abu al-Hassan al-Ash'ari et celui qu'on a mentionné Muhammad ibn Kullab, il y en avait d'autres comme ça aussi qui utilisaient la philosophie et les thèmes philosophiques pour parler de Dieu et pour parler de la religion, pour essayer de définir et de déterminer les principes de la croyance en se basant sur philosophiques et théologiques. Mais qui ne sont pas basés sur la révélation uniquement ou bien principalement. Et en passant aussi, la croyance des catholiques, des chrétiens en général, est basée sur des principes philosophiques grecs, pas sur les textes de la Bible. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de théologiens chrétiens, eh ben ils se basent sur la philosophie pour parler de religion, pas sur les textes, d'accord? Comme Thomas d'Aquin qui était un de leurs théologiens, ben, quand tu lis ses écrits, c'est des écrits soi-disant philosophiques, puis beaucoup des prêtres ils se basent sur la philosophie, un peu comme les Asha'ira, hein, ils utilisent la logique, pas la révélation. Ok, après le cheikh il dit « وعلى هذا فالأشاعرة من الفرق الإسلامية المنحرفة » عما كان عليه أهل السنة والجماعة وليس من المعقول أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ثم يكون في اتباع اعتقاد حصلت ولادته بعد أزمانهم الشيخ الذكر si on a bien compris ça maintenant donc on voit que les Asha'ira font partie des sectes islamiques qui sont déviées. Ils n'ont pas suivi la voie qu'ont suivi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et c'est pas logique, hein, qu'on, disons, prive, ou qu'on cache la vérité de ce qu'ont amené les Sahaba et les Tabi'in et de ceux qui les ont suivis, et puis que c'est des gens qui ont suivi une aqida qui est venue après leur naissance, que ce soit eux qui sont sur la vérité. C'est-à-dire, les Sahaba et les Tabi'in et les Tabi'in, ils n'ont jamais entendu parler de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Il est né après leur mort. 270 ans après la mort des Sahaba et des Tabi'in. Comment on pourrait prétendre que la Aqida à suivre et la vérité, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est une voie qui est apparue 270 ans, parce que 270 ans, là il est né en 270, ça veut dire à cette année-là, en 270 il est un bébé naissant là,
dans les bras de sa mère. Donc il n'est pas encore quoi que ce soit en ce qui concerne la croyance ou la religion. 40 ans plus tard, pendant 40 ans de sa vie, ça veut dire jusqu'à de 270 jusqu'à 310 Hijri, il est Mu'tazili. Donc c'est pas une référence dans l'Aqidah. Tout le monde est d'accord là-dessus. Jusqu'en l'an 310. Et même en 310, je connais pas exactement la période, la durée de temps qu'il est resté dans sa période intermédiaire, mais avant sa mort, il est revenu. Donc, c'est juste peut-être dans les dernières parties de sa vie qu'il est revenu à la Sunna. Et donc, on pourrait dire donc dans ce cas-là que peut-être autour de 320 Hijri. Allahu a'lam combien. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont vécu avant cette date-là, avant l'an 310 environ, 320, eh ben tous ces gens-là, ils n'ont pas connu la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, excepté quand celui-là est revenu à la position de l'imam Ahmad. Ça, c'est une contradiction en soi. Hein? La preuve que c'est faux, c'est que déjà avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari, il y avait des grands imams de l'islam, dont l'imam Ahmad, dont l'imam Malik, dont l'imam Shafi'i, et dont l'imam Abu Hanifa, et dont l'imam Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak, et d'autres parmi les grands imams des salafs qui réfutaient les Jahmiyyah et qui réfutaient les Mu'tazila avant même que Abu al-Hassan al-Ash'ari soit au monde, et ils les réfutaient sans utiliser aucune forme de philosophie ou de texte grec, ou aucune référence à la soi-disant raison, mais c'est-à-dire la logique qu'ils utilisaient, c'est la logique qui est présente dans le Coran et dans la Sunna. Rien, aucune autre logique à l'extérieur de cette logique-là. La logique des textes elles-mêmes. Hein. Donc, on voit que cette prétention-là, que ces gens-là se disent soi-disant être Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est une fausse prétention. Et la même chose pour ceux qui disent que Ahlus Sunnati wal Jama'a sont deux sectes. Al-Maturidiyya et Al-Asha'ira. Il y en a parmi eux qui disent ça. Ahlus Sunna wal Jama'a sont deux sectes, sont les Maturidiyya et les Asha'ira. Et ça aussi c'est des faussetés. Même entre les deux, il y a des différences dans la croyance. Hein? Donc comment ils pourraient être Ahlus Sunna wal Jama'a alors que Ahlus Sunna wal Jama'a c'est une seule Jama'a, pas deux. Hein? Et donc déjà en soi c'est une contradiction. Et non seulement ça, mais ça c'est juste sur le plan des Asma al-Sifat qu'ils sont ou bien dans d'autres questions aussi qui ont rapport avec Al-Qadar, et d'autres questions aussi, ils sont Asha'ira, mais ils ont aussi mélangé la voix des Asha'ira avec différentes turuq soufiya. La plupart des Asha'ira, vous les retrouvez soufiya. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça curieux, comme si j'essayais de comprendre pourquoi il y a ce lien, toujours ce lien très intime entre les Asha'ira et les Soufis. Et bien la plupart des imams, des premiers chouyouks des Asha'ira, tu en trouves parmi eux qui étaient parmi les plus grands imams du Tasawwuf, hein, comme Al-Qushayri et d'autres. Donc on va y revenir. Inch'Allah, comme par exemple Al-Ghazali, la même chose, hein, Al-Ghazali, Al-Qushayri, et d'autres encore qui étaient non seulement Asha'ira mais Soufiya en même temps. Ah ben, Tijani, ça c'est une des Turuq, Tijani c'est une des plus jeunes parmi les Turuq Soufiya, c'est-à-dire c'est une des dernières qui est apparue dans l'histoire. Pardon? De quoi? Tijani? Non, il n'était pas chien, il est juste un Mubtadi al-Soufi, Turuqi. Ah, peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, ok, toi tu parles du Tunisien qui a fait le débat, là, avec les, qui s'est converti au Shia. Oui, parce que toi tu ne sais pas ces débats-là. Non, ça c'est un autre. Eh, alhamdulillah. Non, attends, vous parlez de qui? Le fondateur de la tariqa? Le fondateur de la tariqa vient de l'Algérie. Il vient de Ain Mahdi, une ville qui s'appelle Ain Mahdi. Oui, c'est ça.
Et il parle de l'autre Tijani. Tunisi, c'est ça. Et il a écrit un livre. Oui, c'est ça. L'autre qui s'appelle Tunisi, le Tunisien qui est devenu chiite. Il a écrit un livre qui s'appelle Thum Hdadait. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Ash-Shi'a Hum Ahlus Sunnah. Les Shi'a, ce sont eux qui sont Ahlus Sunnah. Il a écrit d'autres livres comme ça aussi. Et il y a des chouïrs qui ont écrit des réfutations de ces livres. Il y a un cheikh qui a écrit un livre pour réfuter At-Tijani. Il y a aussi cheikh, comment il s'appelle, cheikh Ar-Ruhayli, pas Ar-Ruhayli, Ibrahim Ar-Ruhayli, je pense. Il a écrit un livre Bal Balalt. Il dit puis ensuite j'ai été guidé. Parce que dans ce livre-là, Tum Hdadait, il explique comment il est passé à travers plein d'étapes. Il dit j'étais Tijani, Soufi, après je suis allé en Arabie Saoudite, je suis devenu Wahhabi, après je suis allé en Iran, là j'ai découvert le vrai Islam. Et là, il a dit Tum Hdadait. Donc après j'ai été guidé. Quand je suis devenu chéri, j'ai été guidé. Avant j'étais égaré, maintenant je suis devenu guidé. Et le cheikh, il a écrit la Rat, il a réfuté ce livre-là, et il l'a appelé Bal Balalt, c'est-à-dire, non, en fait, tu t'es égaré, en fait. Et la réfutation est très puissante, mashallah. On n'a pas fait de cours sur la secte des Shia, mais peut-être, inshallah, dans la vie, ça va venir, comme j'en avais parlé. Al-Firq. Non. Donc, comme le frère, il dit que les Asha'ara, quand on les compare par rapport aux Mu'tazila et aux Jahmiya, on voit qu'ils sont plus proches de Ahl Sunnah ou Jama'a que ces deux autres groupes-là. Puis il y a des gens de Bid'a aujourd'hui, comme par exemple certains Sururiya ou d'autres qui défendent des gens de Bid'a parmi les groupes de Bid'a, ils utilisent des paroles de Ibn Taymiyyah pour dire par exemple que Ibn Taymiyyah, il a dit que les Asha'ara étaient plus proches de Ahl Sunnah que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, étaient plus proches de Ahl Sunnah que les autres sectes à ce sujet-là et à d'autres sujets. Et donc ils essaient de montrer, regardez, il a utilisé Al-Muwazanat, en voulant dire, il a mentionné le bon et le mauvais. Et le cheikh, il dit que, il y a des chouïrs qui ont répondu à ça en disant, non, là il est en train de faire une comparaison. Si je te dis par exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que les chrétiens sont plus proches dans leur affection, ou dans, ils aiment plus les croyants que les autres kuffars. Hein, comme Allah dit dans le Coran, وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Donc tu vas trouver que les gens qui ont plus de haine contre les croyants sont les juifs et ceux qui ont fait le shirk. Hein. Et quand on dit ceux qui font le shirk, ça implique même ceux parmi les musulmans qui font des actes de shirk et qui sont contre le tawhid et qui se disent musulmans. Donc eux, ils détestent avec les juifs les musulmans plus que les autres. Hein. Mais tu trouveras après par la suite, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Et tu trouveras que ceux parmi eux qui sont les plus proches en amour ou en affection pour les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous sommes nasara. Et donc, le fait qu'ils disent akrab, plus proche des croyants en affection, est-ce que ça veut dire qu'ils sont complètement proches ou qu'ils nous aiment complètement? Non, mais c'est par rapport à ces autres-là, ils sont plus proches. C'est-à-dire, les Asha'ara sont égarés, sont une secte de talal, une secte d'égarement, mais sont moins égarés par rapport aux Jahmiya et par rapport aux Mu'tazila, mais sont quand même dans les groupes d'égarement. Donc ça c'est un point important à comprendre. Et là, les Jahmiya, les ulama, comme tu dis, les ulama ont déclaré les Jahmiya kuffar. Parce qu'ils ont nié les attributs d'Allah et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne les considèrent pas comme étant parmi les sectes des 73, des 72 qui vont aller en enfer. Ok? Mais non, il y a une qui va au paradis, puis 72 qui vont en enfer. Mais les 72 qui vont en enfer, elles ne sont pas en dehors de l'islam. Elles sont toujours dans les limites de l'islam.
Mais les Jahmiyyah ne font même pas partie de ces 72-là. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de l'islam complètement. Ok. Ok. Maintenant, le cheikh, il dit donc que ça, c'est illogique de prétendre que les Asha'ira sont de Ahl Sunnah wal Jama'ah, ou qu'ils sont Ahl Sunnah wal Jama'ah alors qu'ils sont apparus. Parce que quand on dit que, par exemple, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il est mort en 330, mais sa aqida ne s'est pas répandue dans le monde musulman, excepté vers l'an 500. Ok. Avant ça, c'était juste un petit nombre de certains élèves d'Abul Hassan al-Ash'ari qui ont adopté ce madhab ou sa méthode intermédiaire, qui par la suite ont commencé à la prêcher un petit peu partout. Et puis c'est pour des raisons politiques souvent que cette aqida a été par la suite répandue à un niveau plus large. Ok. Comme par exemple à cause de Salah ad-Din al-Ayyubi, hein, parce qu'il avait étudié la aqida des Asha'ira et il l'avait enseigné à ses enfants, et quand il a pris l'Égypte, c'est les Shuyukh Asha'ira qu'il a mis à la place des Ismaïliyyah pour remplacer, parce que ceux qui ont bâti Al-Azhar, c'est les Ismaïlites, c'est la secte, les Batiniyyah des Ismaïliyyah. Mais quand Salah ad-Din a conquis l'Égypte, il a remplacé les gens qui enseignaient Al-Azhar par des Asha'ira. Et depuis cette époque, elle est toujours Asha'ira, Ash'ariya. Et la même chose qui a été faite par Ibn Tumart au nord de l'Afrique, hein, qui a repoussé les Murabitoun, qui étaient tous sur la aqida des Salaf, hein, et la aqida de l'imam Malik, et il a imposé la aqida des Asha'ira partout dans ces contrées-là, et il s'est déclaré le Mahdi, Al-Muntazar, le Mahdi que les gens attendaient, et il a obligé tous les gens où il allait à croire en qu'est-ce qu'il enseignait et à sa aqida, et ceux qui refusaient de l'accepter étaient tués et exterminés. Donc ça, c'est des raisons un peu historiques et politiques, comment la aqida de la Sharia s'est répandue dans différentes régions dans le monde musulman. Mais donc, c'est pour vous dire que c'est une aqida qui est apparue 500 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que c'est elle qui est Ahl Sunnah wal Jama'ah, parce que sinon, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui vivaient avant, qu'ils étaient quoi, s'ils n'étaient pas Ahl Sunnah wal Jama'ah. C'est pour ça qu'on dit que la vraie position d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est la position des Salaf Salih, la position des Sahaba et des Tabi'in et ceux qui les ont suivis. Après, le cheikh, il dit « وَقَدْ نَقَلَ الْحَافِظِ بِنْ حَجَرْ فِي فَتْحِ الْبَارِ نُقُولًا كَثِيرَةً عَنِ السَّلَفِ فِي الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ الْمَبْنِيَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّالِثِ وَهُمْ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ كَالثَّوْرِي وَالْأَوْزَاعِي وَمَالِكُ وَالْلَيْثِ ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. Donc ça, c'est ceux qui veulent retourner, c'est le volume 13 à la page 407. Le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il mentionne cette citation du Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, celui qui a expliqué dans son livre Fath Al-Bari, il a expliqué le Sahih Al-Bukhari, hein, ça s'appelle Fath Al-Bari, et c'est un des meilleurs et des plus grands commentaires de hadith de Sahih Al-Bukhari. Il y en a eu plusieurs commentaires qui ont été écrits par plusieurs savants, mais Fath Al-Bari, celui-là par Ibn Hajar, c'est un des plus célèbres et des plus complets, des plus bénéfiques qui a été écrit. Et malgré quelques erreurs qu'il fait parfois dans le ta'wil de certains attributs, mais quand même il mentionne la position des salaf salih et la parole des salaf salih au sujet des attributs, et il confirme leur position. D'accord? Donc, on voit ici même une des preuves de ça, il dit, et on a mentionné, Ibn Hajar il dit ça, hein, c'est-à-dire il montre que après avoir mentionné
des citations des salaf dans l'aqida, dans la bonne aqida qui est établie par le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf de la Ummah, il termine ou il conclut cette citation ou ces citations-là en disant, et donc on a mentionné différentes citations des savants du troisième siècle, de l'époque du troisième siècle, parmi les ulama et les fuqaha des différentes régions du monde musulman, comme par exemple l'imam al-Thawri et l'imam al-Awza'i et l'imam Malik et l'imam al-Layth ibn Sa'd, et ceux qui étaient vivants à leur époque, hein, et également tous ceux qui ont pris la science de ces imams-là, ça c'était leur aqida. Alors comment on ne pourrait pas avoir confiance en ce sur quoi ils ont tous été d'accord dans ces trois premiers siècles-là, alors que ce sont eux les trois meilleurs siècles, hein, et ça c'est affirmé par le témoignage de celui qui nous a amené la charia, c'est-à-dire le témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ونقل أيضا عن الحسن البصري أنه قال لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. Donc à un autre endroit, le volume 13 à la page 504, il dit si, il cite les paroles de Al-Hassan al-Basri qui dit si ce que Ja'd ibn Dirham disait était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait transmis. Hein? Et la preuve que c'est pas vrai, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de ces choses-là. Il n'a jamais dit ces choses-là. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné, comment tu pourrais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas enseigné ces idées-là, ces philosophies-là. Alors, comment on peut prétendre que c'est vrai par la suite? Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait et il l'a caché? Hein, il le savait, il savait ces choses-là, mais il n'en a pas parlé. Ça, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Est-ce que, Ya'ali, il ne le savait pas, et donc eux sont plus savants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les questions d'Aqida? Ça aussi, on ne peut pas dire ça. Hein. Donc, c'est des exemples qui montrent que ces gens-là ont amené une bid'a et un égarement, et qu'ils se sont déviés du droit chemin. Et le cheikh, il dit, Wal-Jad huwa ibn Dirham mu'assis madhhab al-Jahmiyyah. وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الزي ما جدي الشيخ عبد المحسن العبادي الزي ما جدي la même chose que الحسن البصري disait. Et si ce que lui il a dit à propos de Ja'd ibn Dirham, parce que à son époque l'Ash'ari n'existait pas encore, mais il dit moi aujourd'hui je dis à propos de Asha'ira, si ce qu'il dit Asha'ira et les Mutakallimin, si ce qu'ils disent était la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait transmis. Et la preuve que c'est pas vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné ces choses-là, il nous a pas transmis ces choses-là. Et donc ça prouve que c'est une bid'ah et que c'est une forme d'égarement. Ok. Le cheikh il a signé ça et il a écrit son nom, puis il a marqué que la date de ce qu'il a écrit c'est 1427, le 8e mois, le 21. Donc ça fait quand même pas trop longtemps. Ça fait environ 2 ans. Le cheikh, donc ensuite il y a la parole maintenant du cheikh Ahmad al-Najmi qui est encore plus détaillé que la parole du cheikh Abdul Muhsin, mais ça c'est seulement comme on dit une introduction, et quand on va commencer le livre on va vraiment mentionner les détails de ces questions là. Donc on va juste commencer donc la citation, la parole du cheikh Ahmad al-Najmi, puis on continuera ça la semaine prochaine inchallah. Le cheikh il dit donc dans son introduction qu'il a fait dans la préface, il dit الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقد اطلعت على رسالة كتبها الشيخ عبد العزيز ابن رئيس الرئيس جزاه الله خيرا وبارك فيه
رد بها على فتوى كتبها مجموعة من المشايخ زعموا فيها أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة كبرت كلمة تخرج من أفواههم والحق الذي لا مرية فيه أن الأشاعرة والماتريدية من طوائف أهل البدع ولا يجوز لأحد أن يقول إنهم من أهل السنة ومن زعم أن هاتين الطائفتين من أهل السنة والجماعة فإنه قد أقحم نفسه في خطأ فادح وخطر فادح فاضح وسيسأل يوم القيامة عن قيله قبل أن يفرج له عن سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتواه بعد كلام له في بعد كلام له في هذا المجال وبهذا يتبين أن حق الناس أن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها وأتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعادة لمن عاداها إلى أن قال وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فاتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم. Donc ça c'est les citations et les paroles de l'imam Ahmed al-Najmi. Il dit donc Alhamdulillah, louange à Allah et paix et salut sur le messager et sur ceux qui les ont suivis et sa famille et ses sahaba. Il dit ensuite, j'ai lu la risala que le Cheikh Abdul Aziz ibn Raïs al-Raïs a écrit, Jazahullahu khayran, et que Allah le bénisse, barakallah wa baraka fih. Il a réfuté une fatwa qui a été écrite par un groupe de shuyukh ou mashayikh qui croient que, ou qui prétendent dans cette fatwa que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de Ahlus Sunnah. Et c'est une très grosse, grave parole qui sort de leur bouche. Kaburat kalimatan. تخرج من أفواههم. C'est une parole très grave qu'ils disent avec leur bouche. Et la vérité à ce sujet-là, sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie des groupes des gens de Bid'ah, Ahlul Bid'ah. Et il n'est pas permis pour quiconque de dire qu'ils font partie de Ahlul Sunnah. Et celui qui croit que ces deux groupes font partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, alors il n'y a pas de doute qu'il est tombé dans une grave erreur et un danger. Et il sera questionné au jugement dernier de ce qu'il a dit avant. Il sera questionné au jugement dernier pour qu'est-ce qu'il a dit. قبل أن يفرج له عن سبيله. Avant qu'on lui laisse le passage. Après, il dit. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية a dit dans مجموع الفتاوى, c'est le volume 3, la page 347. Après avoir parlé à ce sujet-là, il dit, on peut comprendre clairement maintenant que ceux qui sont le plus méritants, ou qui méritent le plus d'être du groupe sauvé, Fiqh al-Najiyah, ce sont ce qu'on appelle Ahlul Hadith. Wa alaykum salam. Ahlul Hadith. C'est-à-dire les gens du hadith, c'est eux qui méritent le plus d'être ce groupe sauvé-là.
أهل الحديث والسنة، les gens du hadith et de la sunna. Quand on dit أهل الشيء، ça veut dire خاصة الشيء. Ça veut dire, quand on dit en arabe أهل الشيء، ça veut dire le mot أهل، des fois on le traduit par la famille, mais en réalité en arabe ça veut dire ceux qui ont un lien, qui ont le lien le plus proche et le plus particulier avec cette chose-là. Donc quand on dit أهل الحديث، ça veut dire les gens qui sont plus reliés, qui ont le lien le plus intime et le plus proche avec la sunna et le hadith. Donc, c'est eux spécialement qui sont al-firqa al-najia, al-kitab, les gens du livre, exactement. Donc, le cheikh dit donc que les gens, ce sont les gens du hadith et de la sunna. Et il dit, ils n'ont personne qu'ils suivent fanatiquement, auquel ils s'accrochent fanatiquement ou qu'ils suivent aveuglément, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une de leurs caractéristiques. Et ce sont eux les plus savants parmi tous les gens à propos des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ses actions et des choses qu'il a fait. Et c'est eux qui ont la plus grande connaissance ou qui ont la plus grande capacité de distinguer entre ces paroles, lesquelles sont authentiques, lesquelles sont faibles. Hein? C'est bien beau d'avoir, de connaître des hadiths, mais si tu ne peux pas savoir lesquels sont sahih et lesquels sont da'if, hein, alors ça sert à quoi? Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres sur le fiqh ou sur d'autres sujets de l'histoire, ou de l'islam, et de l'histoire islamique, ils mentionnent n'importe quel hadith dedans, sans même mentionner le degré du hadith, est-ce qu'il est authentique ou non. Et donc, comment tu peux savoir que la référence que tu lis, ou le hadith que tu lis est authentique ou non si ce n'est pas mentionné? Et c'est qui les plus grands savants en ce qui concerne la question des hadiths et qu'est-ce qui est authentique et non authentique? Eh bien c'est les savants des hadiths, les gens de Ahlul Hadith. Hein? Donc ça c'est une de leurs caractéristiques qui montre que ce sont eux qui méritent le plus d'être le groupe sauvé. Et les imams de Ahlul Hadith sont des savants dans, non seulement dans la mémorisation et dans l'apprentissage des hadiths et de la sunna, mais dans la compréhension aussi des hadiths et de la sunna, et qui connaissent encore mieux la compréhension et la signification des hadiths. Okay? Personne ne connaît mieux la signification des hadiths que les gens du hadith et les gens de Ahl al-Sunna. Et c'est eux qui sont plus proches dans la façon de suivre la sunna aussi. Si tu regardes la façon dont ces gens-là suivent la sunna par rapport aux autres gens de Bid'ah, tu vois que ils sont les plus attachés à suivre les petits détails de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou de ce qu'il disait aussi. C'est non seulement de dire on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on le suit réellement et on suit son exemple même dans les petits détails, dans tout ce qu'il a amené. On ne dit pas on prend juste les choses, les grandes choses, puis on laisse les petites. On prend tout, parce que tout est important. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est al-huda, hein, c'est la guidance. Donc ça c'est important. Puis après il dit hubban, c'est-à-dire non seulement en application, hein, et en ayant la foi en ce qu'il a dit, et en l'appliquant, mais aussi on a le plus grand amour pour ça, hein, parmi tous les autres. Et mu'alatan liman walaha wa mu'adatan liman adaha, c'est-à-dire qu'on s'allie et on s'associe à ceux qui l'aiment et qui la suivent cette sunna, et on s'oppose à tous ceux qui contredisent et qui, disons, font le contraire de cette sunna ou qui font des bid'ah. Hein? Donc al-wala wal-bara établi sur la sunna et le hadith. Il a un qal, après il a dit un peu plus loin. Et ce sur quoi les gens ont divergé parmi les questions des attributs, ou les questions qui ont rapport avec Al-Qadar, la prédestination, ou la menace, ou les noms, ou les questions d'ordonnance du bien, d'interdiction du mal, ou toute autre question qui a rapport avec les fondements de l'aqida, on ramène tous ces désaccords-là à Allah et à son messager. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ramener toute divergence religieuse à Allah et à son messager. C'est pas tu dis, ah, il y a 8 positions parmi les savants, donc tu fais pile ou face, puis tu choisis celle que tu aimes. Non.
tu le ramènes à Allah et à son messager, et avec sincérité et avec connaissance des principes et des fondements de l'islam, là tu regardes laquelle est la plus proche de la vérité. Hein, et là tu la suis parce que tu crois que c'est la vérité. Pas juste parce que c'est une position parmi d'autres, mais parce que tu crois que c'est elle qui est vraie, c'est elle qui est correcte. D'accord? Et ils interprètent ou ils expliquent les termes qui ont été ramenés par les gens de Bid'ah, qui sont des termes ambigus, eh bien ils les ramènent au Coran et à la Sunna, alaykoum salam wa rahmatullah, pour voir et pour distinguer lesquels de ces termes-là sont, ont une bonne signification. Quand est-ce que c'est une bonne signification, alaykoum salam, quand est-ce que c'est une mauvaise signification? Et des termes que des gens de Bid'ah ont ramenés dans la croyance qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna. Et ils veulent débattre avec nous au sujet de ces termes-là qu'ils ont inventés. Et nous, quand on débat avec eux, on ne rentre pas dans ce jeu-là. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans les jeux de mots. On définit les mots avant de rentrer dans le débat. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez dire par ces termes? Et quand ils nous expliquent ce qu'ils veulent dire, on regarde la signification. Si la signification est bonne, on dit ça, c'est acceptable. Mais s'il y a une signification qui est fausse dedans, on la rejette. Et on dit, on n'utilise pas ces termes-là pour éviter la choubha, pour éviter l'ambiguïté. Puis on se base ou on se limite à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est en général, pas juste dans Al-Asma al-Sifat, mais dans toutes les questions en général. On ne rentre pas dans des débats sur des termes et des mots qui sont étrangers aux termes et aux vocabulaire du Coran et de la Sunna, parce que sinon c'est sûr que on tourne en rond, yani. Tu veux faire l'alain? Ah ok, ça y est, inshallah. Après il dit, donc il dit ce qu'on a dit, et ce qui est contraire au Coran et à la Sunna on le rejette, et on ne suit pas Azban, on ne suit pas les conjectures, puis parce que de suivre les conjectures c'est de l'ignorance, et on ne suit pas non plus Hawa-Naf, c'est-à-dire nos passions, parce que ça c'est de l'injustice. Et donc ça c'est qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a expliqué à ce sujet-là, pour montrer la distinction entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Ahl-Hadith, Al-Firqatun Najiyah, et ceux qui ont contredit cette voie-là, et qui n'ont pas suivi leur voie. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là, puis on continuera donc les détails de l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.